équipé d'une vue médiocre, d'une ouïe restreinte, d'un odorat quasi inexistant, presque insensible aux champs magnétiques, aux infrarouges, aux variations de pression, l'homme a su développer d'autres atouts. Il a pris en main sa nature, créant ainsi un monde de plus en plus complexe, submergé de savoir, de culture, de langage.